tout s'arrête. La vraie top, la vraie personne qui fuite les informations, qui donne les informations à JM, à les informations qui sont un peu partout, tout la personne sera dévoilée. Et là, on n'est pas dans les demi-mesures. À partir de là, vous allez nous détester parce qu'on est là pour faire du travail. Je me suis déplacé, j'ai fait 6 heures de vol pour venir voir mon ami John. C'est pour démystifier tout ça, créer toujours. Et on en passe parce que j'étais chez moi, j'ai dit John, je prends le premier avion, j'arrive chez toi. Parce que trop, c'est trop. On va pas continuer comme ça. Vous nous fatiguez à la fin. Vous nous fatiguez à la fin. C'est ça la vraie vie. On se voit. Quittez-la. Allez-y, faire vos enquêtes. Quittez-la. Allez-y, faire vos enquêtes. Attends, vous nous chassez quoi? Quittez-la. Oui, dégagez. Dégagez. Vous nous chassez. Allez-y loin. Attends. Black Angel, vous chassez la tête. Allez-y là-bas. Allez-y là-bas. Enlevez-moi ceux-là sur les panels. Black Angel, c'est méchant. C'est quoi, John? C'est quoi, toi? Ok, c'est qui? Non, ils sont de la même chambre. Kelly, quittez-la. Kelly, dit qu'on vient de la même chambre. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Vous avez la paix là-bas. Vous avez la paix là-bas. On vient de la même chambre, ça veut quoi? Ça veut dire quoi? Vous avez la paix là-bas. Il dit que vous étiez dans le même bunker, non? C'est ce que ça veut dire. Vous étiez en enclave, non? Vous savez que la paix là-bas. C'est ce que ça signifie. Ah, vraiment, là, c'est bon. Non, actuellement, nous sommes en conclave. Le mot mystique de madame de Clag, là. Nous sommes en conclave. John, on a fait une uniforme ou quoi? Qui est qui? Oui, j'ai porté le rouge. Ce que tu portes, là, j'ai le rouge, là, actuellement. Sérieux? Je t'ai dit. Vous devez finir le boulot à quelle heure? Vous devez. Attention à la réponse. C'est ça qu'il s'agit. Si, vous devez finir le boulot à quelle heure? Tyrone, mon gars, sur l'homme, t'es toujours là. Monsieur, je te parle là. Ouais, c'est lunette de soleil ou bien lunette normale? Reste concentré. Ça va, ce que je porte. Ta transition. Oui. Donc, à très bientôt. Ta transition, non? À ce soir pour un live mystique, pour un dangereux live. Pardon, il ne faut pas appeler ton live mystique, pardon. Voilà, pour un titre aussi. Le live mystique démystifié. Ils vont dire que la même mystique est marraine. Pardon, on est fatigué. Sinon, moi-même, je rentre dans mon bunker, je vais changer mon nom là-bas. Non, pardon, il faut garder le nom. Il faut changer le nom là, ça devient trop populaire. N'appelle pas ton live mystique, mon dos est très large, pardon. Bon, pardon. Ciao, portez-vous bien, faites vos lives. Retournez dans votre chambre. On sera en live, c'est pour casser tout. Ok. Voilà. Retournez dans la chambre. Bonne lune de miel. Influe. Mets ta caméra, s'il te plaît. Ils sont animaux. John, tu laisses pas influe. Qu'elle m'a dit fuck you. Tiens, comprendre. Ça, c'est Black Angel, non? Non, Black Angel, elle est là. Mais pourquoi tu comprenais un Black Angel depuis là? C'est Black Angel, mais qui a mis impressionnant. Black Angel, vous êtes... On ne sait pas c'est qui, point. Faut pas aller là-bas, faut pas toucher cette porte. Parce que cette porte est trop risquée. Allez là, faut laisser porte là comme ça. Donc, comme ça, Bibina... Quand même, tu connais les deux là. Tu leur dis que c'est une porte interdite. Non, si je comprends bien, Bibina savait qui était Maggie. Elle savait avant que ça pète. Elle est venue pleurer là, c'était pourquoi? Ah, si c'est. Serge, à quelle heure tu vas faire l'info? Moi, j'aime venir tapoter. Tu sais, moi, j'aime trop tapoter chez toi. Ce soir, ça va péter. Deux girafes, un petit. Le rapport est fait. Tout est prêt. Avant-hier, la même mystique dit que celui qui donne le nom de la top, elle donne 3 lions, 2 univers. Mais personne ne casse un fou. Je suis en train de dire les noms des innocents. Oh, vous trouvez que c'est vrai, vous là. La première top, c'est influenceuse. Ah, là, tu as déjà loupé, bro. La deuxième, c'est Serge. Non, ça, c'est JM Top. Je savais même que ça était dedans. C'était trop. JM Top, JM Top. Attends, John, qui balance ces. Tonton JM là. Qui a déjà balancé les informations là-bas? JM voyage avec votre esprit seulement. Bon, on revient, on travaille en conclave. Voilà, tout en conclave. Retournez dans votre chambre. Le mot conclave là même des. Oh, Seigneur, les gens sont sur TikTok. Non, pas... Là, on dit la madre. La madre est citée mère con des arts aujourd'hui. C'est ton père. Zara, elle a fait quoi? La madre était sur le panel de Mbani. Elle voulait donner conseil. Donc Mbani dit, je vais donner conseil, allez-y louer de mon panel.
ici là, c'est zone de tribulation, je n'ai pas de conseiller ici. La madre souffre d'elle, elle souffre même. Sarah a écrit en bas que la madre me fait quoi en haut là-bas. Jean, avec ses conseillers, fait quoi en haut là-bas. Ils ont comment la madre a compris. Elle dit, Sarah, toi, tu dis quoi? Ta mère. Wow. Ça, c'est fort. On dit, oh, tout le monde dit que vous avez gâté la madre. Vous avez fait jusqu'à la madre gâtée. Puis quand elle a fini, elle est descendue. Elle dit qu'elle voulait donner conseil. Comme toi, tu me dis qu'il n'y a pas conseil ici. Donc elle est descendue. Elle est descendue en même temps, elle est partie. Madre souffre, elle souffre. Quand elle continue, elle va dire qu'elle est descendue. Elle ne maîtrise pas les bérets, mais elle aime bérets. Moi, je ne comprends pas la madre aussi. Et puis elle a su tout là-bas, elle dit qu'elle est fermée. Et puis la fête de soeur, on est pas après. Hein? Oh. En tout cas, c'est ce que Zara a écrit. Elle n'a pas apprécié. Donc, elle n'a même pas une discussion. Là. Vous avez gâté la femme là. Vous avez vu. Ça va vous donner conseil là. Vous avez gâté la femme là. Elle dit Zara, toi, Zara, tu dis quoi là-bas? Ta mère, combien? Avec force. Il te dit on jette le corps de la madre seulement. On jette son corps. J'ai dit. Tu peux pas rire. Hey, on peut faire ça à une dame comme ça? Une mamie? Non, Rasta, quand elle monte là, non, les gens disent qu'elle ralentit le live. Et puis elle va rien venir dire de boire, elle ralentit les bérets. Donc c'est pour ça qu'on jette son corps. Dit, attends, on te prend après la madre. On te prend après, dit, fium, ils ont jeté son corps. Hello, bonsoir. Bonsoir, fraîcheur. Moi, je suis venue pour saluer Glagla et puis Infu et puis les autres que je ne connais pas, mais je vous salue aussi. Il y a deux influenceurs. Bonsoir, fraîcheur. Voilà. Ok, donc passez un bon moment, je redescends dans les commentaires. Ok, oui, merci. Je suis là pour Biama dans les commentaires. Ah, ok, merci beaucoup. Bonsoir, la fraîcheur. Oh, Seigneur. Comment je descends où? Je vais descendre. On dirait maintenant que tu fais peur. Hein? Tout le monde, il n'y a personne qui veut parler maintenant. Ouais. Seigneur a mis partout. C'est pas mieux, on va maintenant commencer par laisser la mère Glagla pour faire un peu de politique. Et nous qui n'aimons pas la politique, on fait comment? On cause des trucs. Pardon, politique là. Moi, j'aime pas la politique. Je préfère être à la recherche de Maggie que aller faire politique. On est ma limite, c'est d'où je viens. C'est les galettes que tu as mis ici, tu as foutu les profils. Hein. Il y a ça donne envie. Bonsoir tout le monde. La marraine Misty, bonsoir. Vous êtes occupé dans le goût. Il y a longtemps des gâteaux, ça. Allez-retour. Tous les jours. Eiko, il s'est mis comme ça. Avec des spaghettis bien faits là, bien là. Voilà, je peux faire ça. Oui, je peux faire ça au bâton. Quand il n'a rien à faire, il m'a servi. Ça, c'est mieux. Non, c'est propre. Moi, j'aime travailler dans la nourriture. Oui, il y a la nourriture, j'aime ça. Nous venons distraire les gens ici. Bonsoir tout le monde. Bonsoir la marraine. Bonsoir. Steve est son jus dans le Qui parle de jus dans le Steve? Il ne sait pas. Blanco. Faut aller. Va regarder. Mon monsieur là-bas aussi. C'est pas bon. Va regarder. Qui ça, moi? En tout cas, il n'y a pas envie d'avoir AVC à l'heure. Je suis trop jeune. Oh, la madre. Il y a la voix même pas hein, dans le truc là aussi. Influ, faut inviter ta mère à monter. Qui veut monter? La madre écrit quoi? Elle dit que je ne suis pas. Je ne suis pas une bonne cliente, mais si. Même la madre, dit quoi? Il comprend pas. Mais non, mais ça démontre. Il n'y a pas la madre, il comprend pas. Non, on est peut-être là, je vous dis que dans les commentaires, là. On va dire là-bas, tout ça. Donc, elle n'est pas une bonne cliente, pourquoi? Elle dit comme elle n'insulte pas, je ne suis pas une bonne cliente. Une cliente, c'est. Non, je suis là, vous parlez ça. Je comprends pas. Peut-être qu'elle parle, c'est eux qui sont là attachés. Elle dit, elle veut dire que comme elle n'insulte pas, elle n'est pas bonne cliente pour vous. Elle dit, mais ils ne sont pas concernés.
Aïe, ouais, la madre. La même fiancée, hier, tu dormais, tu nous as agité, agité nos corps. Hier, on était rentré un peu dans une zone de turbulence, c'est ton panel ici. Tiens, on a dormi. Je sais pas comment ça s'est fait, les dents, j'ai coupé, en fait. Tu as vandalisé nos corps. Ouais. Eh, hey, c'était pas la madre, elle veut goûter bien mal, dit-on. Eh bien, c'était mal. Vous, nos bouches qu'on fait sur Internet, déjà, en fait, les patatas, Naomi, petites choses, que les Ivoiriens sont levées là. Ah, t'as vu ce qu'il a fait? C'est pas une mention, en fait, il aime fatiguer les gens. Oui, mais il a fait exprès de nous. Non, il dit qu'ils l'ont convoqué à la brigade des mineurs pour dire dans quel esprit ça s'est passé. John dit à Makoso, et toi, diminue ton micro là. Quand tu viens, tu dis. Allô, allô. Il dit allô. Et puis crie. Sorcière. Non, elle ne pour rien de lui. Tu es une sorcière. Et puis l'augmente le volume. Tu es une sorcière. C'est son travail, mais il son micro. Parce qu'il veut que sa voix porte en fait. Il a traumatisé. C'est mauvais. Le général nous a fui. Le général a eu peur, nous a fui. Bonsoir. On est venu avec les. Comment Fatim? On est venu avec les Kalachnikov. Michel, les mitraillettes. Non, vraiment. Général, en fait, moi j'ai une annonce à faire. Laissez la marade va se reposer en bas. Donc moi j'ai dit à la vieille de laisser tomber. Toi et ton nom, bon ben, ça va aller loin. bon ben, Sylvia, là, ça me dit. C'était pas en mal en fait, mais elle n'a pas compris mon message. Donc elle s'est emportée, tout le monde l'acculait. Moi je lui en veux pas. Hein. Voilà. Elle est une mère, je suis sortie d'une mère, moi je suis une mère. Donc elle n'a qu'à penser, c'est pas qu'elle pense mal. Parce que j'ai compris qu'elle a cru que c'était pour lui faire des.
un manque de respect, alors que c'était pour qu'elle comprenne que il y a des moments où les gens sont un peu il a fui. Voilà, il y a des exemples comme ça. C'est-à-dire que c'est juste dans ce sens-là. Ça, là, aussi, on je vois plus. Chef Adama. Adama a fui. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Adama est là. Il est là au faux profil. C'est mieux même. Pour ça, je sais qui est en commentaire. Vous comprenez pas. Moi, j'aimais ses interventions bizarrement. Il était souvent très dur au début là. Mais après, il a exagéré. Ça s'est mêlé dans sa main. Sinon, c'était un bon gars quand même. J'ai dit le virus du TikTok là. Ça même si Jésus même vie va changer. Il va changer. Moi, je ne fais plus poids sur Facebook. Tellement TikTok est devenu une drogue. Il y a bagarre partout. Tu veux pas, tu as écouté. C'est bête quand même. TikTok. C'est bon bête. C'est bon bête. C'est si bien. Il regarde, il est si bien. Je clique sur le profil. Il regarde, il dit, on est amis. Il regarde en bas, je vois Jolie Go. Il dit, mais c'est là le problème. Bon bête, comment là. Et puis si bien, bonne boy, il y a trop de goût. Et puis là, bon bête. C'est bon bête. Bon bête. Oh, hey. La merci influe. La madre n'est pas montée. Hey. Elle n'est pas montée. Moi, je voulais juste lui dire ça. C'est elle-même pour son propre bien. Il y a tellement de gens qui sont pour la vie. Elle est fâchée. Comme ça, j'aurais plus besoin du Bluetooth là. Je vais voir si on entend la note. Vous savez que vous avez plein de casseroles. Vous savez que vos vies ne sont pas trop saines. Mais c'est à vous qui avez parlé des choses. Et toi, bon boy, toi, tu as venu moi me menacer. Tu as venu dans mon inbox le samedi. Moi, j'étais tranquille dans mon coin. Toi et moi, on s'est bien échoué sur le bâtiment des Babani. Moi, je t'ai rien. Ok. C'était pour voir si j'ai besoin. Vous entendez? Mais est-ce que vous entendez quand même? On entend très bien. Là, ah, d'accord. Comme ça, j'ai plus besoin de prendre le Bluetooth. Que équipé, ah, c'est bon. Équipé, c'est... Le titre, c'est micro-test. Tu t'es équipé de ce que les prochains verraient là. C'est méchant, méchant. De... Bon. Puis ta voix, même déjà, là, même là, ça donne sans micro. Maintenant, un micro, on est foutu. Elle n'a même pas de voix. Elle n'a pas de voix. Elle parle là, elle est charismatique, hein, doucement. Elle est triste sur les gens là, tu vois. Mais il y a beaucoup de voix. Insulté. Déjà, même que tu veux payer par moi, t'es seul. Si tu comprends plus rien. Tu t'as quand même sur tout ça pour dire ici. Moi, j'ai un body. Oui, bonsoir tout le monde. Respect. Bonsoir, la madame. Bonsoir. Sarah, tu dis quoi? J'ai reçu un appel à maman. Tu as dit que je suis hypocrite. Tu as dit que je suis hypocrite. Qui a dit hypocrite? C'est pas de toi que j'ai parlé. T'as rien compris. Elle parlait pas de toi. C'est ceux qui t'ont dit me taguer là. Ils disent sont hypocrites. Aïe. De quel droit que t'as fait d'hypocrite? La masse est gammée maintenant. Partout, tu passes là, tu dis aux gens pardon. Si tu mets dans ton pardon, on compte, il faut te laisser avoir. Je sais que vous ne voulez pas écouter ce que... Non, c'est pas moi, il ne veut pas clasher, je ne suis pas dans clash. Non, je suis même pas mêlée à ça. Vous dans les clash. Non, mais moi, j'ai l'impression... Par exemple, là, vous êtes groupé ici, là. Là, vous êtes groupé ici, vous parlez, vous ne vous connaissez pas, mais au moins, vous savez que c'est chez Influenceur, c'est chez Zara, je peux aller chez qui. Mais quand vous êtes fâché, ou quand, bon, comme vous-même, vous êtes du game, et vous insultez, moi, des fois, ça me fait mal au cœur. Que vous insultez pour rien. Mais la vous madre. Vous insultez. Quand les gars ne s'insultent pas, là, ils trouvent qu'il n'y a pas d'audience. Mais nous, là, l'influenceur ici, généralement, on ne s'insulte pas. Si tu as remarqué, moi-même, là, je ne suis pas dans les trucs. Moi, je vends maison. On leur a manqué de respect jusqu'à ce qu'ils ont quitté TikTok, je te jure. En vrai, quand je te vois parler, là, je sais que tu es une maman, une grand-mère. Tu n'es pas dans les trucs où tu veux que les histoires se passent. Donc, moi, j'ai compris que les gens t'attendent à allumer un peu en commentaire et puis sur le live où tu étais. Et malheureusement pour nous, moi, ma période, je te dis, ah, mais il faut descendre. Tu vois?
et tu n'as pas bien compris. Tu m'as mélangé en même temps que moi. Tu dis, t'as me con. Je commence par apprendre ça chez vous. C'est ce que j'ai compris, que quand quelqu'un te manque de respect, tu lui manques de respect. Non, mais moi, j'ai compris, justement. Bah, excusez-moi. Mais quand tu dis ta mère, fond, là, c'est pas moi qui ai insulté, c'est toi-même. Tu es ma mère, Joe. C'est pour ça que je t'ai dit que je n'ai pas pris en mal. Je n'ai même pas eu mal, je jure. Je n'ai pas eu mal. Moi-même, je n'ai pas pris mal, parce que moi, je suis montée pour leur dire. Parce que un truc se passe lundi. Vous faites ça, d'autres récupèrent ça, ce que vous n'avez pas dit, ce que vous avez dit, mal compris. Ils vont décortiquer. D'autres prennent ça, d'autres prennent ça. Et l'histoire est infinissable. Au lieu de repasser à autre chose. Tu parles, Manu, écoute, tu connais Mamadou. Manu Banassa, tu le connais. Mamadou, il parle des juristes. Avocat, là, non, d'accord. Faut demander. Il va te dire, il a tellement été partout et nulle part parce que tout le monde le voit. Hein. Même ce que tu n'as pas envie de dire là, tu as dit un jour, ça te prend, au piège. Ils ne vont pas regarder ton âge ni qui tu es. Noir, là, le crâne brûlé. Quand ça va se passer, on va laisser. Mais pour le moment là, quand c'est trop chaud, laisse. Tu vois, influencer en train de se moquer de son micro par exemple. Les lives comme ça, ça apaise, ça nous fait rire. On passe à autre chose, on parle de tout et de rien. Il n'y a pas de palabre en fait. Ce matin, au Glagla, on a fait un live pareil. Et ça allait faire à mélanger un peu son live même. Il a mis ma nouvelle perruque. Et puis, je lui disais, ah, je suis trop belle ce matin. T'as dit que tu es belle. Tu vois, des délits comme ça, là, ça apaise, en fait. Mais quand c'est toujours les histoires, là, c'est vilain. Donc, moi, naturellement, je suis solitaire. Je n'aime pas là où il y a des histoires. Moi, je suis pas avec vous. Donc, quand tu vois les histoires, c'est trop... Je suis avec vous. Des fois, je ne dis pas grand-chose. Hein. Merci. Quand c'est trop chaud, là, évite de monter. Quand c'est trop chaud, laisse. Quand ils vont finir par se calmer, là, au bout de 2 heures, ils vont devenir calmes. Tu remontes, tu dis, ah, on a entendu tout ce que vous avez dit. De toute façon, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Je passe seulement, je fais rigoler, c'est tout. Hein. Il n'y a pas de souci. En tout cas, c'est que moi, je voulais te faire comprendre, mais pas pour te t'arrêter. Comme tu fais le logement, il faut me faire louer. J'ai des appartements à Cotonou, à la plage. Il faut me les faire louer. J'ai 3 appartements. À Cotonou, j'interviens plus dans le domaine touristique à Abidjan. Mais si j'ai les photos, je peux partager. Je suis pas à Abidjan. Moi, je suis pas à Abidjan. Non, non. Je sais, maman, attends, je t'explique. J'étais à Cotonou même il y a 6 mois. Tu peux m'envoyer les images, je vais partager. Pour ceux qui partent à Cotonou, je leur dis par exemple qu'il y a des appartements meublés face à la mer qui peuvent louer. C'est à Fidrosé ou bien c'est où? Oui, je suis à Fidrosé, dans le vent de face à la mer. Quand m'appelait, je ne répondais pas. Je ne répondais pas. Bonjour, attends, je vais te faire. Et je n'ai jamais été dans un groupe. Venez me montrer où j'ai parlé à plus de personnes. La dernière et première fois que j'ai parlé avec deux personnes, parmi Glagla, c'était influenceur et Glagla. C'était le lundi dans l'après-midi. Que j'ai entendu une deuxième voix avec moi, c'était influenceur. Et après, je dis à Glagla, je rentre, je suis fatiguée. J'ai mes choses aussi à faire et j'ai coupé, c'était fini. Je n'ai plus mis mes pieds là-bas. Voilà, si vous dites c'est ma personne là. Je ne suis pas une monteuse, la voici qui est là. Quand vous êtes dans le même combat contre Glagla, vous m'avez vu monter sur vos panels, non. Attends, je répondais à convocation. Si vous m'avez vu, non. C'est toi, Glagla, tu m'appelles, ma petite soeur. Faut partir, tu t'es stressé. Tu dis va, je dis elle, tu dis va. Il a couru, je suis parti. Mais... Aujourd'hui, c'est comme genre je trouve non. J'ai dit simplement que infalsifiable n'est pas témoin des agissements de cet imbécile là. C'est pas parce que Dieu s'est réconcilié. Dans le live de Bonne de comment ça s'appelle Waka, quand on m'a dit que infalsifiable s'est réconcilié avec Bonne Boy, je suis allé en bas. J'ai dit qu'est-ce qui s'est passé? Le chat m'a dit ah, il y a eu mariage ici. J'ai dit j'ai marqué quoi infalsifiable là. À cause de lui, elle était fâchée. Et tu te réconcilies, je me lave les mains. Calme-toi, Mel. C'est bien bon de dire que je critique. Et quand je suis influenceur là, elle ne va pas me laisser critiquer. Même si elle ne déteste pas Infalsifiable, elle va me laisser critiquer. Que oui, même elle était à 2h du matin chez influenceur, elle donne des crimes. Que j'ai dit, grave la vente, les choses ont dit que ça foulait. Que elle cherche à vendre drogue. Ils ont qu'à me montrer bien. Pardon, Mel, faut modérer un peu tes propos. Non, excuse-moi, je suis trop énervée. Non, tu sais. C'est pour ça qu'elle te laisse parler. Et puis, elle a noté, elle prend toutes les preuves. Et puis, on dit encore qu'ils ont mis encore bizarre, on m'a envoyé. Dit Dieu merci. C'est-à-dire, aujourd'hui même, ils ont confirmé que j'ai dit. J'ai dit maintenant, mais l'absolu l'a dit. L'autre, ma copine, elle s'est dit, mais montrez la capture où elle a marqué vente. Ils ne peuvent pas montrer. Ils m'ont vu après voiture. On a que cherché une histoire de voiture. Je l'ai après voiture. Il y aura poudre blanche après prosélytisme. Si tu veux l'accuser, j'ai dit qu'elle est dedans, ben Chacha est dedans, ben elle est dedans pour, vois-tu, trafic de ça. Mais après là, ça veut dire quoi? Ouais, après ses ventes, aujourd'hui on l'accuse de voiture.
voiture. Demain, ça sera ça. Et après, demain, ça sera ça. C'est ce que j'ai marqué. Si TikTok n'a pas tout écrit. Mais ne vous inquiétez pas. Je ne suis rien. Je ne veux rien être rien. Mais diffamer sur ma personne contre quelqu'un qui a la maca. Ou alors, Bila, que ceux que je vais attraper, en tout cas, ils vont me brancher pour eux tous. En tout cas, ils vont faire au moins 2 mois. Et ça, je donne les mois. Voilà. C'est vous qui connaissez les droits, non? Mais les droits, on ne peut pas diffamer un gros, une grosse diffamation sur une personne en plus qui n'a pas dit ça. Et en plus, il y a une autre qui se retrouve à la maca. Et l'autre, ah, mais cherchez à porter plein de comptes et elle. Ma chérie, si elle t'est loupée, mon bras va sortir sur ma main. Si elle t'est loupée là, voilà, là tu peux me bien ma même. J'ai ma famille sur TikTok, tu vois. Même quand je suis en train de parler, on dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Même mentir, tu sais, j'ai écouté mes et tout. J'ai entendu les gens me dire qui je riais. J'étais sincère. On dit oui et non. Il y a une qui dit que moi je suis allée appeler Mado pour dire que Liki est en train de la Biama. Mado, je vais la faire venir aussi. Elle va jurer sur la vie de ses enfants. Si moi je l'ai appelée pour dire viens Liki en train de te Biama. Vous savez, vous ne savez vraiment pas qui vous avez affaire. Vous ne savez vraiment pas qui vous avez affaire. Ben, pardon, moi je veux te demander pardon parce que vous avez tout entendu. Moi j'ai tout entendu. Oui. J'ai même pas rentré dans les tympans. Eh oui. On va décortiquer ça. Décortiquer ça après. C'est lourd. Je dis, si vous voulez, on peut aller avec, hein, parce que cette dame, moi, je pense qu'elle est piquée, c'est qu'on peut croire. N'est-ce pas, c'est elle qui était derrière. Ah, elle dit que ce n'est pas elle, hein. C'est pas ce qu'elle voulait dire. Voilà, scène, hein. Ouais. Côté scène, c'est moi, elle chère, mais pourquoi? Il était couché, quoi. Il était attaqué, c'est ton décédé, maman. Maintenant, qui a abordé? Français. Ok. Je suis montée sur ce live-là. Parce qu'après, tout comment on m'a insulté à cause d'elle. À cause de Bonboy, pas elle. À cause de Bonboy. Et toi, tu te dis, ok, c'est ta personne, je respecte ton choix. Mais je m'en lave les mains. Point. Mais j'ai pas venu sur TikTok, je lui ai dit, oui. Hé, hey, Vimina, tu es mauvaise. Oh. Non, je l'ai dit. Elle s'est réconciliée, je suis allée marquer chez Waka. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais montée sur l'un d'influenceurs. Ceux qui disent que oui, elle est commentée comme non. Je suis arrivée, j'étais au restaurant, c'était le samedi. Je suis allée au restaurant, je suis venue, je suis montée chez influenceur. Influenceur, mais je pense qu'elle dormait. Et je pense que c'est la jolie go, ou je sais pas qui a dit. Mais, voilà, ta bibina s'est réconciliée avec son assaut. Et vous dites quoi? Elle dit oui, oui. Ils sont là-bas tout en love. Il dit, j'arrive. Je suis descendue du live de chez influenceur. Je suis partie là-bas. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe ici, oh? Necha me répond, ah, il y a eu mariage, je suis réconciliation. J'ai marqué dans les commentaires. Toi, infalsifiable, là. Celui-là, t'a mis dans la boue. On t'a insulté. Moi, non, ma biama. Et tu te réconcilies à lui. Je m'en lave les mains. Et je suis retournée chez influenceur. On est en train de discuter. Il dit, hey, il m'en lave les mains, oh. Parce que là, on va plus me à côté de lui, il est mauvais. C'est pas parce que Bibina, c'est son assaut que moi, je m'appelle aussi. Il est méchant. Mais moi, ce que je sais, c'est que même si tu vois demain, là, tu dis que tu vas porter plainte au tout. Mais si tu vois les personnes arrêter, je sais que ça va te faire mal. Ils ont quand même bien ma soeur. Où ils veulent, je m'en fous. Ils ont quand même bien ma soeur. Où ils veulent, je m'en fous. En fait, j'ai plus le temps voilà. Avec eux. Il va pas flotter. Lui, il connaît tout le monde. Il a... Mais là, si jamais tu cette personne-là, toi-même, ça va te faire mal. Regarde, Dan, tu sais, j'avance ça. S'il te plaît, ils ont qu'à montrer tout le live en question. Ils ont qu'à montrer tout le live. Mais okay. Tu sais que, et ils ont qu'à montrer aussi tous les messages qui étaient dans les commentaires. Yamali, là, ils font ça à tout le monde. Non, tu sais, quand on est sur les panels, on est en train de parler là. Très souvent, on parle et on n'a pas naturellement le track sur ce qu'on dit en fait. Tu vois, on se laisse aller dans l'émotion et tout. Mais moi, je demande ça peut s'arranger. Tout peut s'arranger, comme je dis là. C'est lorsque la vie est finie qu'on ne peut pas faire. Il y a des personnes en Europe, je donnais l'exemple tout à l'heure, en Europe, ils ont fait la guerre mondiale, ils ont fait ça partout. Ils se sont fait des choses, il y a eu des cent, des milliers, des millions de, voilà, de M-O-R-T-S. Rolex, comme j'ai scène là, tu fais quoi ici? J'ai dit toi, Rolex, t'inquiète pas, en fait, j'ai scène là, il ne faut même pas agir sur le fait de la chose. Non, elle vient de marquer, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Vous laissez passer. Laissez passer avec la caméra, s'il te plaît. Moi, je ne veux pas la problème. Laissez passer. Mais les gens n'ont.
Laisse passer trois jours. Quand tu vas revenir, je ne reviendrai plus. Parce que c'est ce que je fais. Je ne reviendrai plus. Tu vas voir que c'est pas nécessaire. Oui, c'est moi. Et je lui ai dit, tu m'as muté. Pourquoi? Elle dit, oui, je t'ai muté parce que tes commentaires ne me plaisent pas. Et je t'en ai parlé. Après, je suis quittée là-bas parce qu'elle a commencé à avoir des attaques. Et gauche, là, tu n'avoues pas. J'ai préféré quitter là-bas, ok? Donc, c'est parce que j'avais gros, parce que déjà, Bon Boy, c'est lui qui a créé toute cette merde-là. C'est lui. Eux, ils sortaient, ils pouvaient dire clairement, écoutez, Chacha n'est pas en voyage, elle est temps. Mais pas venir mettre l'audio de la dame, le glagla. Point à la ligne. Le truc, il est simple comme bonjour. Et c'est ce que j'ai dit chez Waka. C'est ce que j'ai dit. C'est marqué, je vois. Lui, elle est partie sur un chéri là-bas. Elle est partie parler mal. Elle est partie. Mais Chacha n'est pas ma copine. Vous me reprochez quoi, en fait? Chacha n'est pas ma copine, mais c'est pas pour autant que je vais le tuer. Quand tu vas là-bas comme ça, là, tu peux recevoir des problèmes sans que ce soit construit vers toi. Faudrait que. Bon, moi je en fait, ce qui me fait mal, même si c'est Glagla, j'ai dit Glagla. Chacha, c'est pas ma copine. C'est pas quelqu'un, on se parle, on cause tout le monde. Mais c'est pas pour autant que je vais lui vouloir du mal. Quand même, pourquoi pour Efasifia, on dit qu'on elle a qu'à sortir pour Chacha, j'en veux qu'elle reste. Pourquoi? Non, tu rien tu de vois dans les commentaires là-bas, on dit Belle, tu es trop jolie pour te fâcher. Ah, tu vois? Tu peux pas te fâcher comme ça. Non, c'est pas là, ça, mais j'aime pas, on va me mettre en palabre avec des gens. Vous savez, on va pas me mettre en palabre des choses que j'ai pas dit. Bonsoir tout le monde. C'est vrai que je suis impulsive, mais je n'ai pas dit ça. Je pense que après ce qu'elle a écrit là, elle est modeste, elle est montée. Non, on va refaire le live, ne vous inquiétez même pas. On va mettre les captures. J'espère que Kadi est en train d'enregistrer. Il y a plein de comptes qui y a entendu. Tout ce que tous les gens se disent, moi je n'étais pas dans les appels. Écoutez tout ce que les gens disent pour venir verser ça. Ça, c'est un but de confiance. Lui, c'est de l'abus de confiance. C'est vrai, mais l'histoire de Glagla et puis. Infatigable. Mais après tout, Glagla, infatigable, tu veux ce que tu veux, mais après tout, Glagla, c'est qui m'a appelé pour toi? Oui, je sais, mais c'est pas de ça. Non, c'est pas de ça. Non, c'est pas pour ça que tu es monté parce que tu t'es fâché. Tu es fâché parce qu'il y a des captures, tu dis tu as porté plainte. C'est pas pour l'histoire de Bon Boy et puis Glagla là. On a fait ça. Mais on est passé à une autre phase. Donc il faut te calmer, ok? Voilà. C'est bon, j'ai bien compris ton rapport. Tu n'es pas content, tu as dit quoi? Même elle a traité Chacha de... Bon, il y a une capture qui traîne là. Je vais faire ça tout à l'heure. Une capture où c'est écrit, elle a écrit après voiture, ce sera poudre blanche, après c'est ça le truc. Mais les gens ont mal compris le truc. Comment ça, les gens ont mal compris le truc? Les gens ont mal compris. C'est comme moi quand je suis en train de parler, par exemple, je dis voilà. En gros, limite, ces gens, vous êtes en train de dire, elle a fait ça, elle a fait ci et tout. Après, c'est pour venir dire, genre, elle a fait trafic, après trafic de drogue, ce sera ci, ce sera prosélytisme. Ben oui. C'est là à Bordeaux. Ah, écrit quand c'était comme si Sacha était accusée de beaucoup de choses parce qu'elle n'a pas bien précisé. Voilà. Elle a dit après voiture, ça serait plus dangereux. Après plus dangereux, ça serait tout. Voilà. Peut-être dans que les gens interprétaient ça dans le mauvais truc et tout. Ah, mais quand c'est comme ça, il ne faut pas écrire. Tu as vu, après, on dit un tout. Pourquoi c'est comme ça que tu expliques bien? Parce que ici, on interprète beaucoup de choses. Elle peut dire après qu'on finisse l'accusé. On parle de voiture. Peut-être même il y a quelqu'un qui est parmi nous ici même qui... Mais non, regarde, toi, mais tu sais que TikTok, par exemple, là, n'a pas de... Comment ça s'appelle? Elle ne prend pas tous les mots, ne prend pas toutes les phrases. Tu vois ce que je dis ou pas? Donc, non, peut-être elle a écrit peut-être en haut et on n'a pas capté. Après, elle a beaucoup parlé. C'est là que tu sais que les gens aiment polémiquer. Quand tu sais que les gens aiment polémiquer et puis vu les tensions là, tu ne peux pas partir écrire en commentaire. Mais tout le monde ne pense pas comme vous, ne réfléchit pas comme vous. Elle pouvait le dire. Elle a surenchéri encore. Parce que là, elle a écrit. Les gens ont capturé.
Et elle monte, elle surenchérit. Même si quand elle a surenchéri, elle n'a pas dit ce qu'elle a écrit dans le commentaire, mais aussi elle a encore surenchéri là-bas. Donc, du coup, tu veux que les gens se positionnent comment? Ou bien, tu veux qu'on se positionne comment? Oui, mais tu sais, comme je dis, voilà, c'est pour ça que je dis que chacun a sa manière de. Tu vois, il y a les gens qui vont être euphoriques face à une situation. Il y a les gens qui vont, voilà. On était près ce qu'on voit, on était près ce qu'on entend. Madame Stella. Oui. Cette dame, elle est de mauvaise foi. Faut pas en va trop discuter dans ça. Non, c'était moi, je veux bien faire le truc, mais cette fois, franchement, pour ce commentaire-là, je suis désolé, moi, je l'ai pas pris en tout. J'ai très bien lu les commentaires, j'ai bien lu ça. Non, j'ai pas. Là, quand elle a fait le commentaire. Elle est très mauvaise. Attends. C'est là, quand elle a fait le commentaire, elle a eu l'occasion de monter sur le panel de Fantomas. À ton avis, elle devait faire quoi? Ouais, mais sur le coup, peut-être qu'elle ne savait pas que quelqu'un avait capturé, qui avait interprété ça en mal. Elle a mis encore sur la situation de la fille. Ce qui énerve en fait les gens. Mm-hmm. Elle a parlé mal encore de la fille. Du genre, elle a l'habitude de faire des faux coups. Elle n'a pas de bonne moralité. Donc, les gens ont gardé ça en tête. Et puis, maintenant, le commentaire maintenant qu'elle a fait pour dire c'est pas pour rien, elle a fait ce commentaire. Est-ce que tu comprends? Voilà. Voici comment les gens ont pu rapprocher le commentaire et ses renchérissements. Et elle ne s'arrêtait pas. Voilà. Parce que pourquoi on l'a déposé. Parce que pourquoi on l'a déposé? Je crois qu'elle parle trop. Qu'est-ce qu'elle avait à la parler d'un ministre? C'est celui de Ouattara. Vous l'avez à la parler? Tout à l'heure. Merci. Même tout à l'heure, j'ai Blanche Neige. Elle a parlé de ça encore là-bas, après des ministres. Ah, ok, d'accord. En tout cas, moi je me suis limité à cette phrase-là sur le commentaire. C'est de ça que moi je suis. Il faut laisser faire des phrases-là seulement. Cette dame, elle est trop mauvaise. C'est ça, il faut comprendre. Quelqu'un qui va là-bas pour aller. Moi, je ne peux pas parler de cette dame parce que ça ne sert à rien. Elle est trop mauvaise. Un point tirant, laisse ça comme ça. Elle est trop mauvaise. Il ne faut pas la voir comme ça, hein. Tu la vois, elle rigole. Tu vas dire, ouais, elle a les dents sont blanches, mais laisse tomber. À l'intérieur, les sang coule, tu vois. Elle est ce que tu ne peux pas croire. Là, c'est pardon, hein. Faut pas non plus exagérer le truc, pardon. Y'a qui? Elle me mute. Faut t'imiter, c'est mieux. Voilà. Elle sait très bien, elle est consciente de ce qu'elle fait. En fait, t'es là, moi, il va la traiter de mauvaise, comme Rasta, va la traiter de mauvaise et tout. Mais quand elle se reproche rien, quand la même influence, elle va faire dire qu'aujourd'hui, moi, elle n'est pas vue. Elle a fui pour aller où? Elle fuit pour quoi, en fait? Elle s'est reproche quoi? Elle dit la même influence, elle dit. Stella. Comment vas-tu? Ça va. D'accord. Sinon, passe au magasin quand tu peux. Oui, mais tu sais, l'après-midi, il fait tellement chaud que je ne bouge pas de chez moi. Hein. C'est ça aussi. Depuis 3 jours, je suis chez moi, je ne bouge pas. Il fait trop chaud à 100 ans. T'inquiète, la madre, je vais t'appeler, hein, c'est mieux. Ok, on fait comme ça. Alors. Merci. Je viens de laisser les lames d'infacile, j'ai là-bas. Mais la mère, je pense qu'elle n'a rien contre. Ils n'ont pas de problème, mais pourquoi qu'elle a dit on fait direct et tout là, par rapport à elle et puis madame Fred, elle est juste que je ne dirais pas. Peut-être qu'elle me trompe. Qu'elle vienne, sinon toi aussi, quand tu vas fond, hein. Elle est méchante comme ça. Non, madame, moi je ne suis pas dans vos trucs de serrer les vis pour ne pas dire les choses telles qu'elles sont. Moi je ne suis pas dedans. Moi si je viens, je te dis ce que je pense de toi et je gagne temps. Moi, chez moi, il n'y a plus à faire de code. Moi, je ne parle pas en code, je te parle bébé. C'est ça qui est moi mon problème. Il n'y a pas à faire de partir à gauche, à droite, quoi que ce soit. Tu es ça, moi, je viens, je te dis, parce que moi, j'ai grandi parmi les Nigériens. Tu vois, chez les Nigériens, ah, attendez, tu n'es pas parfait. Personne n'est parfait sur la terre, là, je suis désolé. Moi, je suis le plus maudit de tout ce que tu peux croire. Moi, je ne suis pas parfait, hein. Je te le dis directement. Moi, je dis, j'ai grandi devant, c'est-à-dire, c'est les Nigériens qui m'ont élevé, quoi. Donc imagine, si tu as un bras, on te dit tu as un bras. Si c'est des, on dit c'est des. Donc c'est comme ça chez moi. C'est un peu comme ça. Je suis désolé, mais c'est ce qu'elle est, moi je viens dire. Elle est comme ça. Eh bien, mais il y a les tensions, comment mon papa a dit, elle m'assoit là-bas. C'est qui? Pardon. Elle pense même où? Ah, pardon, ma chérie, il faut parler, elle est là. Elle a détesté son micro, elle est là. Mais pourquoi vous taisez? Tu les réveilles quoi encore? Je porte plainte à qui, madame? Hein? Tu parlais des plaintes là. On est concentré, on t'écoute. Non, non. Elle a parlé de ça, non? Qui? Elle a parlé de ça. Non.
Elle a porté plainte à qui? Pardonnez-moi. Vraiment. Mais ma chérie, il fallait t'aider en même temps, c'est quoi ça? J'ai l'impression qu'il y en a là. Moi, vous ne comprenez pas quoi. Vous voulez porter une information, vous voulez de la retenir. Quand vous ne pouvez rien dire, j'aime pas ça. Sérieusement. Est-ce que c'est toi qui as pris la capture de tout le monde? Coucou là. Qui a pas sorti? C'est qu'elle a écrit là. Mmh. Bon, il sait que tout qu'a fait sortir aussi. Papa n'a fait sortir. Qui encore? C'est lui, non? C'est sur son live, mais j'ai vu. Il pense bien. Madame, tu as porté plainte à qui? C'est Baba. Merci, Rasta. Ça ne va nulle part. Faut de laisser. Rasta, elle est dans live de l'autre côté là-bas. Elle est dans live de l'autre côté là-bas. Oh, laisse cette plaintine là. Non, c'est qu'elle-même, elle se fatigue. Hein. Elle a dit quoi? Moi, elle j'ai vu Cherokee. Qui a diffamé, c'est elle-même qui est venue se vendre moins cher. Ah. Est-ce que c'est quelqu'un qui a pris son clavier pour écrire des choses ici? Hein? Ben non. Tu as écrit les gens récupérés, tu parles de quoi? Plainte de. Faut pas en voir trop parler. Elle n'a qu'à partir porter plainte à 1000 personnes. Tous les 1000 personnes vont aller s'exprimer. Elle vient en Côte d'Ivoire en août. Ceux de la Côte d'Ivoire vont lire. Dieu merci, moi je suis pas en Côte d'Ivoire. Attends, on dirait maintenant là-haut, Abid, Côte d'Ivoire même est devenue autre chose selon eux. Si tu connais un peu les relations, tu fais du mal à tous ceux qui tu veux, quoi. C'est ça, moi, je remarque. Parce que maintenant, j'ai un peu de relations. Si tu me fais quelque chose, même si c'est bonjour, et je prends bonjour là mal, je te porte plainte. C'est tout. Aïe! C'est comment? Fermez Côte d'Ivoire et puis c'est fini. On va avancer. Maintenant, Black, j'attends pas tes vidéos. Il y a une personne qui me dit toi en premier, ah bâtard, si c'est moi, mais il faut même pas que ton cœur va battre. Parce que si c'est moi là, il dit, je fais pire que ça. Je m'en fous, et puis quoi, voilà, je suis là-bas, puis en décembre là, mais je suis là-bas. Je veux comme tu mets là pour venir écrire tout et n'importe quoi, les gens te récupèrent, ça te fait mal. Ça, faut que tu Tu connais un ton ici, non? C'est en commentaire tu écris. Tout le monde, tu viens quand en Côte d'Ivoire. Moi, je viens en décembre. Ça prend bien la phrase là. Hein? Là-bas, Abidjan. Rasta. Ça, moi, je suis là-bas. Rasta. Si ouais. On comprend bien là, fallait qu'elle commence sa phrase pour dire donc, après voiture, ce sera pour Pounampou. Après pour Pounampou, ce sera pour cette fille. Madame, elle sait très bien s'exprimer. Elle a fait un peu plus dans son commentaire. Elle dit après voiture, ça sera pour Blanche. Mais c'est qu'elle dit, donc il manquait le donc après, c'est ça non? Pour que sa phrase la passe mieux. Voilà. Madame, sinon, ou bien même là, on peut accuser ta camarade. Et puis toi, tu mets un tel commentaire, et puis tu t'assois pas là. Hein. Si tous les panels, tu peux vous parler de la fille, qu'elle a de mauvaise moralité. J'ai oublié, mais où elle a dit ça? Mais je regarde là, j'ai cherché. Mais les amis, elle est piquée, c'est que tu peux voir. Moi, je l'ai dit. Elle a cherché. Elle a recherché chez Waka, mais c'est du jeu. Elle a piqué ce que vous pouvez penser, cette dame. Elle est méchante, c'est moi qui l'ai dit. C'est pourquoi quand elle est montée chez Edwin Kamé, tout le monde l'a descendu ce jour-là. Oui, mais toi, t'es méchante. Tu as cassé le sens de moi. Mais là, on dit que tu vas appeler le père. Non, c'est vrai que j'ai dit ça. Mais moi, je sais qu'il a dit des choses. Mais je veux qu'on apaise tout ça pour qu'on puisse l'aider à sortir de là. Ça évite une fois qu'elle est venue. N'Afrika. Est-ce que même je ne veux pas changer le nom pour mettre tonton crucifié? Si, change ça. Tu mets tonton crucifix. Je te dis. Comme ça, là, au moins, quand j'allume là. Non, ou bien tu mets le crucificateur. Voilà, crucificateur. Ah, c'est ça. Voilà. Et puis, il faut attendre, je pense, deux semaines avant de changer le nom. Live d'influenceur. Test à micro, test mail. Non. Elle est sortie avec ton dos. pour bloquer les recherchisseurs. On va bien tester micro là même. Ça, c'est quand on va quitter dedans là. Mais elle-même, je pense qu'elle va chercher sa place maintenant pour se reposer. Elle va se calmer. Elle dit toujours ces choses. Belle, la mangeuse de spaghetti rayon. Belle, viens, on peut te faire le buzz. Viens, on va te décortiquer. Belle,
Mais on va chercher. Belle, on parle de boulot, viens. Influenceur, ça a mis un peu chaud là-bas. À cause. Allez, à cause de vous, la grosse voix. Pourquoi c'est à cause des fois que vous faites que t'as pas de oui, j'ai acheté mon micro. Je suis en démaquiller. Belle. Belle. Viens, 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 on va te décortiquer. Ton bébé. Please, come on. Là. Ceux qui ont peur de partir là, hey, j'ai dit, serrez vos. J'ai dit, serrez bien les valises. Il y a un citoyen là aussi. Tu vas rentrer, il sortir, à rien. Pays là, c'est pays d'Ado, c'est pas pays de Mel-Mel. C'est ça. Voilà. Non, sérieux, tiens. Hey, Allah. Je vous invite à manger ma nourriture coréenne. Bon appétit, non, on peut manger chinois. Ndomi. D'accord. Prenez la Côte d'Ivoire cadeau. La porte de la maca est ouverte. Il y a un vent. Le vent de la maca souffle. Souffle, fait ravage. Eh, maca, ça plane sur les maisons, sur les vies. Taisez-vous. Yeah, yeah. Débutez-vous, c'est quoi tout ça là? Ah, non, on est là, on l'écoute. Voilà. Moi, j'attends seulement qu'on m'affiche encore, c'est-à-dire les commentaires de mail là, c'est ça, moi, je veux même bien voir. Comme ça, je lis mot par mot et puis je réponds mot par mot. Voilà. Et puis maintenant, Black, il pense qu'il y a quelqu'un. Black, je démute ton micro. Démute. Est-ce que même c'est pas son frère qui est vigile de Maca là-bas? On ne sait jamais. La mère Gaga s'est mutée influenceur, tout le monde. Oh, je cherche. Non, je sors dans mes deux mains. J'emmène Mel dans le live de Facilita, dans les commentaires avec elle. Je lui demande si elle en a acheté les spaghettis de réunion pour elle. Elle a mangé oui ou non? Je veux que la mère la glace doit aller là. Elle doit aller là. Elle parle encore, hein? Il met la fille de papas. Mais c'est comme ça, vous, on veut vous intimider, vous êtes quoi? Vous allez laisser une menteuse. Non, j'étais occupée. Une méchante va venir vous intimider. Elle ne parle pas trop, la fille. Elle parle trop. Je cherche la vidéo. Je cherche la vidéo. Coucou, qui la top? Fais de son la madre. Coucou mon chocolat, j'ai acheté le micro pour toi, mon cœur. Micro d'influencer mon combat. Mon chocolat. Ils sont dans les embêtes. Mon Dieu. Seigneur, enlève une maturité dans mon corps. Croyez en vous, bonjour. C'est comment? Il a fatigue. Donc, si tu as une amie comme ça, là, quand tu parles, il faut savoir parler. Hein. Ah. On peut être post-radio comme ça. Eh, hey, c'est là encore. Chacun a ses responsabilités. Qui a enregistré, ne l'a pas enregistré. One Boy a fuité, il a perdu ses frères. Point bas. Elle ne passe pas maintenant. Voilà, je sais qu'il a ça y est. Je lui cite toujours les oreilles. Mais j'ai appris une chose sur TikTok ici. Quelles que soient tes personnes qui sont mauvaises ou qui sont bizarres, tu ne laisses jamais faire plaisir à qui que ce soit. On va régler ça en éteinte, c'est bon. Désolé, quoi, hein. Laissez bonne voie. Ah bon, donc ils savaient ça. Mais comme la mère avait parlé, et ils ont pris ça pour aller fuiter. Vous connaissez qu'il y a toujours privé pour parler. Ah bon? C'est facile ça, hein? À digérer, je vais digérer. Demain, c'est pas mon ami, donc
Je pense que c'est un shooter de... Donc c'est un peu ça. Moi, je comprends une chose. C'est trop facile. Quand on fait une chose et qu'on arrive pas à chimer, ça fait mal. Parce que jusqu'à présent, moi, en tout cas, je sais qui est à top. Dis-moi, est-ce que tout va bien? Ça t'a fait la main, dit, elle veut même pas se prononcer là-dessus. T'es sûr? Mais 45 kilos là. Oh, plus, c'est fatigué, toi. D'accord, je descends. Moi, je vais essayer de me dire. Elle est toujours victime, la petite, elle est toujours victime. Oui, d'accord, merci beaucoup. Je vais connaître la vérité. Ah, vas-y, je ne parle pas même d'atteindre le point. La paix. Je vais passer par là. Vous savez, moi-même là. Je vais faire ce que je passe. Une chose, parce que maintenant, TikTok donne beaucoup d'argent. Donc, il ne veut pas nous laisser en paix. L'argent qu'ils sont en train de gagner là, ça fait que la tête ne fonctionne pas. Attends, Sylvia, fais fort. Comment on peut traiter papa de Sylvia? Elle m'a cassé. Sur son live, et elle m'a bien mal distancé de regarder. J'ai commencé à rire en fait. Parce que en réalité, vous savez, on parle de diffamation. On parle de ceci, c'est cela. Excusez-moi. Mais il faut que vous me ça. Je vous le dis, moi personnellement, il n'y a pas un garçon. Le journaliste, hein. Garçon Fontaine, c'est bon, je suis garçon. Ça n'a pas suffi, là. La chute du Niagara, je suis garçon de la chute du Niagara. Là, ce sont les gens qui le disent. Mais n'empêche que le plus important, ça n'a pas d'ascendant et je ne laisse pas ça me pourrir la vie et me saquer le moral. Non. Voilà, personne n'est. Moi, je considère que personne n'est méchant. Les gens réagissent, ils ont des réactions par rapport à leur colère, ce qui est légitime. Donc, après quelques temps, la colère passe. La colère, même, c'est pas éternel. C'est un état momentané. Même la joie. Quand on est heureux, là, on a eu le bac, on a crié, on était heureux. Mais c'est momentané. Il y a d'autres challenges que nous serons obligés d'affronter dans le futur. Et il faut se préparer à les aborder de façon très sérieuse. C'est quel genre de challenge? Challenge de sorcellerie? Et tout. Donc, franchement, laissons tomber. On est à un autre niveau. Bibine est à un autre niveau du blogging. Maintenant, vous allez voir, c'est des sujets constructifs. C'est le moment où on parle de vraiment ce qui nous touche. Ce matin, on a parlé de la dépression. T'arrives. Je te fais monter tout à l'heure mon cœur. On m'a insulté jusqu'à dans ma... Livre, je vais te casser tous les papons, tout ce que tu as. Ça a changé quoi? Il y a quoi à 22h? Tout ce que tu as dit dans mon univers, je vais tout casser. Bonsoir tout le monde. D'abord, il y a respecté l'un du panel. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, oui, je suis là. Je dois être tranquille. Puis, il y a même quiconque des filles. Il n'y a pas quelqu'un qui a une bosse. Il y a pas une bosse des gens. TikTok, ce n'est pas la vraie vie. Moi, il y a ma vraie vie. Quand il y a parlé, c'est où il y a même parlé. Je ne suis pas dans ça. Je suis bien dit que je suis taureau comme ma mec. Là. Je suis bête 100%. Il parle en face. Il ne parle pas dans le dos de quelqu'un. Maintenant, toi, tu es là-bas pour dire que moi, il dormait, vrai. Il vient de me réveiller. Ça tu montes, tu pointes, tu vois tous les verres. Non, je promets que là, je dormais. Après les 15h, j'ai dormi quand j'ai 18h. Je te promets. Salomon, je te respecte. Non, je dormais, sérieux. C'est qui s'est passé là? Pardon. 16h. Panéliste, même ton panéliste dort là. Il ressort tous les papos dans son WhatsApp. Non, on m'a rien envoyé. Sérieux, je dormais, je te promets. Je dormais. Je viens de me réveiller maintenant. Il a dormi vers 15h quand 18h. C'est-à-dire qu'elle a débranché mon téléphone qui s'est rentré sur TikTok. Mais elle vient ici. Mon deuxième téléphone est déchargé. Et je suis en train de l'emmerder dans le live des falsifiants. Mais elle vient ici. On va arranger. Il y a Adèle là. Pas tu es là où tu es fond de mon cachette. C'est pas croyant. Vous comme moi, il est dragué une bosse. Oui, tu l'as dragué une bosse. Il y a pas de bosse. Pardonnez, je vais parler. Moi, je suis panel. Si TikTok ne savait pas se frapper. C'est quoi, on écoute Blanche Colombe, s'il te plaît. Non, toi, c'est un vestige. Non, mais il est vrai, bien, Maya. Il y a un peu de temps. 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 Il y a un peu de temps.